pray to God, my heart, soul, and body, every single day of my life. Salam alaikum, je suis Ougarmit Leïla, j'ai 28 ans et je suis maman d'un petit garçon de 3 ans. Alors, pour vous présenter rapidement mon entreprise, je suis la co-gérante de la société L&M Déco. Avec mon mari, nous avons une boutique en ligne spécialisée dans la création et la vente d'objets personnalisés, tels que des toiles, la customisation de lampes, de miroirs ou encore des stickers. Nous nous inspirons essentiellement de la culture arabo-musulmane pour concevoir nos modèles, tout en essayant de garder une certaine touche de modernité. À travers tous nos produits, donc, nous avons vraiment voulu faire ressentir certaines de nos valeurs qui nous sont chères, telles que l'utilisation d'une technologie qui respecte l'environnement, mais aussi l'utilisation de matériaux de qualité. L&M Déco est aussi imprimeur, donc nous proposons aux professionnels diverses prestations telles que la réalisation de supports de communication comme les bâches, les roll-ups, les étiquettes autocollantes, à l'image de la marque par exemple. Alors je suis de nature vraiment très créative, je suis constamment à la recherche de nouvelles créations. L'inspiration, je la recherche aussi beaucoup dans tout ce qui peut se faire déjà dans les pays anglo-saxons. C'est vrai qu'ils ont une longueur d'avance par rapport à nous en France. Mais après, je peux avoir de l'inspiration qui vient n'importe où, n'importe comment, en faisant les magasins, en étant en restaurant, en voyageant. Je suis très observatrice et le moindre détail peut susciter en moi l'envie de développer un certain produit pour ma société. Concernant les produits que je propose pour les enfants, ma grande source d'inspiration, donc, c'est mon fils. Il y a eu beaucoup de modèles que j'ai créés à la base pour lui, ou pour mes neveux ou nièces, qui sont de merveilleux cobayes en passant, et qui au final se sont retrouvés à la vente. À travers aussi l'éducation que je souhaite apporter à mon fils, je réfléchis à pas mal de nouveaux supports d'enseignement pour permettre à l'enfant d'apprendre tout en s'amusant. Alors, nous avons vraiment le fort souhait que L&M Déco devienne une référence pour la communauté musulmane, que chacun de nous puisse trouver une décoration qui lui ressemble à travers la personnalisation. C'est vraiment pour ça qu'on a fait le choix de pousser au maximum celle-ci, en permettant aux clients de sortir justement de la standardisation et d'avoir un objet unique qui lui ressemble. Nous avons aussi envie d'offrir une réelle alternative de cadeau. C'est vrai que trop souvent, on a fait le constat à l'approche d'une invitation à un mariage ou d'une naissance, on a tous, je pense, la même interrogation, c'est qu'est-ce que je vais pouvoir offrir d'original? Et bien souvent, on se résigne par le simple basique de l'enveloppe avec quelques billets glissés dedans ou encore un simple body ou quelques jouets pour l'enfant. Aujourd'hui, L&M Déco s'inscrit parfaitement dans cette démarche. Le client peut offrir un cadeau personnalisé, de haute qualité, et s'il n'a pas d'imagination, pour le choix des couleurs par exemple ou pour l'inscription, une équipe est là pour l'accompagner et le conseiller. Nos ambitions vont bien au-delà. En plus de proposer des éléments décoratifs, nous allons nous inscrire dans la commercialisation de supports éducatifs ludiques permettant à l'enfant de s'amuser tout en apprenant l'histoire de sa religion et ses piliers. C'est vrai que pour l'instant, nous sommes au stade de l'élaboration. Mais Inch'Allah, vous en saurez bientôt beaucoup plus. Pour finir, en tout cas, nous souhaitons être pour la communauté un gage de qualité et une entreprise innovante à l'écoute des nouveaux besoins de cette nouvelle génération. Alors, le réel obstacle que j'ai pu rencontrer, c'est vraiment le manque d'argent qui limitait clairement nos ambitions. Les idées, elles étaient là, bien ficelées, mais demandaient un lourd investissement. Nous avons cherché des sources de financement en accord avec notre éthique, mais on s'est vraiment très vite rendu à l'évidence que même pour contracter un crédit sans intérêt, celui-ci devait passer au préalable par un premier crédit standard, ce qui était bien sûr hors de question. Alors on s'est dirigé vers les concours, en commençant par le fameux concours Talent des Cités, qui, alhamdoulilah, nous a plutôt réussi, puisque l'année dernière, avec mon mari, on a remporté le prix au niveau national, et par la même occasion, empoché un premier chèque de 1000 euros. C'est une première réussite qui nous a confortés, qui nous a poussés à participer à d'autres concours, mais aussi à faire appel à des subventions du conseil régional, par exemple. C'était déjà un très bon début, mais il manquait encore beaucoup d'argent,
pour lancer le projet. Donc, pour le reste, on a sollicité nos familles qui croyaient en notre projet et ils nous ont prêté la somme restante. J'espère vraiment, à travers mon entreprise et mon témoignage, susciter l'envie d'entreprendre. C'est vrai qu'on ose très rarement se lancer parce que c'est trop compliqué, il y a trop de facteurs inconnus ou parce qu'on n'a tout simplement pas envie de prendre de risques. Mais en plaçant sa confiance en Allah, on peut vraiment arriver à faire de très grandes choses. Le tout, c'est vraiment d'y croire et de se donner surtout les moyens. En plus de ça, on a une si belle religion qui nous apprend à dire toujours Alhamdoulilah, même en cas d'échec. Ça devrait vraiment être une force pour nous et un moteur pour se lancer dans l'entrepreneuriat. En plus de ça, aujourd'hui, on constate que notre communauté a tellement de besoins qu'il est vraiment de notre devoir à chacun de nous de chercher à les combler et d'arrêter de compter sur les autres, si je peux dire. Parce que c'est vrai qu'on a souvent cet esprit-là critique en disant qu'en France, ben, il n'y a rien pour nous, que trouver un travail, ben, c'est peine perdue. Je suis passée par là, moi aussi, je ne croyais pas pouvoir travailler un jour en France tout en gardant mon hijab. Alors je me suis dit un jour que si c'est si compliqué que ça, ben, et c'est le cas, c'est vrai que c'est compliqué, ben, pourquoi pas le créer moi-même au lieu de compter sur les autres et d'avoir toujours cet esprit critique. Sans être un membre actif de la société. En même temps, je reste vraiment très admirative de ce qui se passe dans les pays anglo-saxons. C'est vrai qu'ils ont réussi à créer une dynamique au sein de leur communauté, de la communauté musulmane. Ils ont vraiment réussi à s'inscrire parfaitement dans le décor en arborant avec fierté leur religion, mais en étant aussi des membres actifs et respectés de la société. C'est ça qui est vraiment important. Et c'est ce qu'on devrait vraiment apporter ici en France une réelle synergie entre musulmans en apportant le conseil et l'accompagnement. Je l'entends aussi bien souvent qu'au sein de notre communauté, les conseils sont assez avares. À titre personnel, bon nombre de personnes m'avaient déjà sollicité pour les conseiller, par exemple, dans leur désir d'entreprendre ou se développer. C'était souvent aussi des personnes qui travaillaient dans le même secteur que le mien, mais j'ai toujours trouvé important le fait de pouvoir partager mon expérience et à ce qu'elle puisse aussi servir à d'autres personnes. Faut vraiment pas oublier que notre religion, c'est le bon conseil et qu'on se doit d'être tout à chacun des ambassadeurs de cette religion. Inside, I wish that everybody